Salam alaikum, mon bon ami. Donc, vous avez dit sur une émission 7 Santé, c'est Africa 7. Nous avons dit surtout diabète. Nous avons dit que nous avons passé le signe, la symptomatologie. Nous avons dit que nous avons dit que nous diabète. Nous avons dit que complications. Donc, si nous avons complications, vraiment, il y a des choses qui sont riches. Donc, complications, nous avons résumé. Nous avons dit que yéssé nit ñi pour que ku amé diabète wala ko xamé ni dafa diagnostiqué guñ ko diabète mu mën ci am yenn matuwa yi muy taxaw pour que diabète bi bañ ko sonal. Alors yoy complication souvent ñun dañ koy résumer si yenn grand syndrome yi wala grand signe nga xamé ni dañ nan complication yi day japp walu xol bi, day japp vaisseau yi, day jappalé rein yi, de jappalé beuti wala bop si système nerveux bi. Ensuite dina mëna jappalé aussi yenen walu yo xamné moy si walu tank yek yoy hein yoyu dañ ci waxtané ak suñu xarit docteur Ibrahima Diallo mom aussi médecin la donc mu ngi yëngatu ci lolu donc ñu waxtane ci pour yéssi nit ñi si walu diabète bi pour que nit ñi mëna xam nan lañu wara taxawu si walou complication. Alors Ibrahima, je te donne la parole juste pour introduire la question. Merci beaucoup docteur Diop. Bon, di rafetlu l'invitation bi rek di nuyu aussi téléspectateurs yi nga xamné ñu ngi sétane Africa Série ci jamono ji ñu nekk ni. Donc di wax né diabète également fièvre bo xamné lu jara waxtané la parce que fièvre bo xamné la en dehors de gravité yi nga xamné mom lay andal. Donc dafa nek problème de santé publique éventuellement. Comme niñ ko waxé légui ni complication bi da fay lal pratiquement ci yaram bi nit yaram nit ki yépp lay lal ci bop bi ba ci tank yi. Absolument. Donc lolu aussi lu am solo la war nañ ci mëna waxtaan tay inshallah. D'accord. Donc en introduction donc si walu complication yi docteur Diallo donc liñu sétlu si suñu pratique courante hein, moy que diabétique bi souvent soit xamul diabétam ou bien biñ koy def dépistage bi yéx nañ ko def dépistage bi wala même bu ko xamé aussi vraiment complication yi moy tax mu ñew sax consultation ñun souvent lolu lañuy sétlu donc da ngay dem ba commencer am yenn complication yi complication yoy ñak ñuy am mom lañuy bañ nit ñi tok ba mu exi fofu ñuy doga ñew ci hôpital motax ñu ni bo commencer gis yenn signe ci sa yaram muy signe yo xamé ni walu ndox bu ngay tour ndox bu bari wala ngay mar nan bu bari wala ngay lek bu bari te malgré ça ngay jeex ak ngay gaw di sonn wala lo def sonn si vraiment lolu dafa wara tax ngay dem hôpital pour ñu sét ndegam sa yaram amul sucre bu sa yaram amé sucre nak vraiment nga mëna jël matuwaay ici mais bu dé nak da nga tok continuer ak nonu mom lañu wax ni si la complication yi di ñew donc généralement c'est des ño xamé ni dañuy tok juromi at ñaari at wala même parfois ay wèr doga dem hôpital. Alors buñu démé hôpital nak c'est lañuy fegg set ni mu ngi ci stade de complication c'est à dire que di nga commencer di dox di son wala ngay fat wala sa beut di commencer di lendem wala nga am problème ci sa tank mu am tabu fa nek wala ni ngay tour ndox am ay jafé jafé wala bo dé tour ndox ngay set lu yenn jafé jafé yi ci am donc si lolu la bëggoon ñu waxtaan ci bu nek ñu cerné ko ñu sendé ko pour que bu dé complication cardiovasculaire naka lañ koy setlo bu des complications rénales yi liñu wax ci rein yi donc naka lañ koy setlo bu des ci complications yo xamné day fay affecter liñu wax système nerveux moy nerf yi naka lañ koy setlo bu des complications yo xamné day jappalé système nerveux bi c'est vrai ak vaisseau yi ñoy jappalé beut yi ak sidit yi donc ñu xol nan lañ koy danalé bolé ci nak duñ yam ci lolu parce que tamit amna ay complications yo xamné diñ ko setlu même si walu bañ yi donc diabète aussi dafa and ak set ak sel si walu biko dentaire donc c'est extrêmement important que ñu mën ci waxtané si lool yëpp benn bu nekk nak dinañ ci waxtané ñu jël ko benn par benn si walu complication cardiovasculaire moy si walu xol après si walu rein après si système nerveux bi ainsi de suite donc lool la bëggoon ñu commencer ko waxtané ko n'est-ce pas docteur Diallo. Tout à fait docteur bon merci beaucoup de toute façon comme li nga wax rek légui donc dafa nek fièvre bo xamné day laal pratiquement organe yi nga xamné c'est les organes nobles lañ koy wowe voilà à savoir le cœur éventuellement parce que dafa nek organe bo xamné dafa am solo ci nit té diabète bi éventuellement dafa fay créer ay problèmes
Absolument. Donc comme problème yi nga xamné mom la fay créer li ci gëna bëri ci coronaropathie lay joggé. Exactement. Donc moy sirid yi nga xamné ñom ñoy indi dëret ci xol bi. Donc sirid yoy nak bu ko diabète bi laalé donc mën na indi ay complications au niveau cardiaque à savoir dem ba joxe yenn infarctus du myocarde gi démé non. Donc lool aussi lu am solo la comme li nga wax légui donc nit ki bu xamé diabète am wala même bu ko xamagul sax buñ ko di mak ñu diagnostiquer ko rek war na mëna bayyi xel ci yoyu ci complications yi mel non. Par exemple ngay am ni ngoy sentiré ci fay ci walu xol bi moy da ngay am ay méritu xol. Par exemple nga sentir né xol bi dafa mel dafa am lu fay metti metti bu xawa tar. Exactement. Donc su wéssul aussi dina mel ni lélé dina xawa ni sax li ñu wowe estomac ñukay wax épigastralgie ci suñu jargon médical. Donc en dehors ça aussi ngay gawa son comme ni ngoy waxé sank. Donc signe yoy bokku na ci signe nga xamné dal mën na tax nit ki wona xamné mom mi fimu nek ni diabète bi muy commencé dal xol bi. Exactement. Ko defé mo mëna dem consultation pour ñu mëna diagnostiquer réellement fu mu tollu ci xol bi. Ci xol bi. Exactement. En réalité si walu xol bi li ñuy setlu moy que diabétique bi soit tok na lu yagg donc am déséquilibre glycémique moy que sucreum normalul. Donc généralement boudé ce sucre du normal lu bari s'il est affecté souvent yoyu vaisseaux les gros vaisseaux comme on les appelle. Donc vaisseaux yoy nak moy indi perte perfusion bi nga xamné moy wara c'est à dire que dérèt bi ni mi wara ñëwé ci sa xol bi mu woñéku. Donc lolu aussi dafa am yenen facteur yu mi andalel moy souvent ko xamé ni da nga amé diabète bonep di tour wala nga amé diabète bolé ci nek sédentaire do am activité physique en plus de ce déséquilibre bi mom la ñëk wax. Donc boudé sa glycémie bi du normal très souvent nga bolé ci di tour bolé ci do am activité physique bolé ci ngay lek lo xamé ni dafa am graisse yu bari. Donc souvent aussi alimentation bi parce que diabétique bi aussi régime hygiéno-diététique lañ wax donc régime bi da fay and ak sel. Bon lolo aussi dinañ ci ñew wax ben waxtan bu gën yaatu ci walu régime bi nga xamné mom lañu wara def pour diabétique bi. Mais en réalité li nga xamné moy tax ba complications yi di ñew di dal xol bi effectivement annoncé nga ko moy que da ngay fat wala ngay sonn di dox di sonn wala ngay fat wala ngay am ay douleur thoracique douleur yi nga xamné ni day defé metti japp ci sa mbag jappalé parfois ci sa cou ci sa los ou bien mu jappalé également même ci sa fiñu wax xol bi. Donc généralement nit ñi dañuy méthode bi daf leen di japp ci seen dënd bi ñu ni xol bi moy metti ñu koy traiter affaireu xol alors que du exactement affaireu xol c'est des signes yo xamé ni avant-coureur li ñuy wax infarctus du myocarde. Il faudrait vraiment faire attention sur lolu parce que simplement yoy facteur mo wax ni moy engendrer en fait complication bi muy walu sédentarité muy walu tox bi muy walu hypertension artérielle surtout. Wala surtout également affaireu graisse yu bari ñuy lek day fat en fait day boucher fi dérèt bi di wara jaar. Donc mom lañuy tuddé ñun ci sunu walu médecine affaireu athérosclérose. Donc moy li boucher tronc artériel yi ba nga xamé ni dérèt bi fi mu wara jaar au lieu que lumière bi xawa reuy normalement mais daf koy dem ba daf koy fat. Donc bu boba nak pour dérèt bi jaar da fay fat donc loolu moy indi li ñu wax hypoperfusion c'est à dire que dérèt bi du jall normalement ci sa xol bi. En ce moment nak c'est les indi signe yoy ñu cité légui et très souvent maladie dañuy tok ba période bobu lañuy doga ñew hein n'est-ce pas Diallo hein si ngay setlu non tout à fait docteur li nga wax mom mo ci am oui. Maladie lu ci bëri xam nga buñu fébré rek ñew dina yomb donc prise en charge bi dina gëna yomb. Exactement. Même le coût également dina gëna yomb. Absolument. Mais comme dafa nek fièvre bobu aussi dafay évoluer de façon silencieuse donc mën na bañ am sax ay symptômes voilà nga dem ba à un stade bo xamné ce taux de glycémie bi dafa élevé de sorte que complications yi commencé di ñew. Oui. Donc comme li nga wax légui facteur de risque yi également lu jara bayyi xel. Par exemple bo nekké une personne à risque de diabète par exemple sa famille amna ñuko ci am wala nga nek issu d'une famille bo xamni c'est une famille obèse famille à obésité donc yoyu wala nga nek toxkat wala nga nek également sédentarité té de nos jours on a constaté que le plus souvent nit ñi dañu nek ay sédentaire. Donc facteur yoyu yépp nak bu dajalo fekk sa diabète bi daf koy gëna gawal complications ñu ñëw notamment au niveau cardiaque. Oui, lu melni hypertension artérielle manama fa xamné couple mood la ñom ñaar bu ñu andé parce que hypertension ak diabète quand même. Absolument. Ça accentue davantage les complications au niveau du cœur. Exactement. Par exemple da fay gëna accélérer infarctus du myocarde bi ñu wax légui. Donc lool aussi patient ñu ci bayyi xel bu fekké da nga am hypertension artérielle am diabète
donc da nga wax di saytu sax sa yaram wër gi yaram di xol ba xam ndax sa xol réellement amna lu ci nek wala dit exactement d'où nécessité bi nga mo xam moy li ñuy wax prévention bi quoi en fait c'est ça l'objet du truc yoyu signe yoyu moy alerter nit ñi pour que nit ki donc bu amé diabète war na def tout pour que tout taux de sucre bi normal stable stable première des choses deuxième des choses il faut que régulièrement qu'ils se rendent compte que aussi même sous des da nga am diabète avec un long passé de diabète war nga di dem consultation li ñu wax consultation cardiologique donc au moins une fois tous les 6 mois ou bien une fois tous les 3 mois nga dem consultation cardiologique avec en plus li ñu wax électrocardiogramme parce que lolu mo lay permettre ñu déterminer ndek am amulo des signes d'ischémie wala des signes yo xamé ni annonciateur de affaire ou complications cardiovasculaires yo xamé ni nak très souvent c'est des complications comme li nga wax silencieuses da ngay tok bam yag rek da ngay gis ben diabétique bo xamé ni dara daluko bon mara d'Italie ñu ni bon fi le togone etc et puis voilà parce que simplement day am li ñuy wax infarctus yoy c'est des infarctus silencieux du yeglé donc il faudrait que les diabétiques fassent très attention sur ça pour que vraiment bunde jël sen traitement yi bunde dem consultation aussi si sen docteur yi ñu mëna xam exactement ce qu'il faudra faire n'est-ce pas voilà donc c'est sur ça que je voudrais qu'on rentre un peu sur la prévention pour les complications cardiovasculaires pour complications surtout cardiaques oui, quoi en fait on a beaucoup plus parlé des complications cardiaques que vasculaires en fait complications cardiaques yoy nak pour prévenir ko qu'est-ce qu'il faut faire bon comme li nga wax légui hein donc dem équilibrer sucre bi oui di xol glycémie éventuellement fekké da nga nek sous traitement wala dara nga respecter traitement bi absolument régime hygiène diététique bi comme ni nga waxé légui parce que bo waxé régime hygiène diététique malade dañu fokk né régime dong la donc damay wañi limay lek des fois am na ñom dañu dem sa fa duñu rër nan la duma rër donc té buñu rërul dañuy profito ci agne bi oui agne lu ëpp li ñu wara rër donc dañuy agne ba réraré en quelque sorte oui. donc du coup yoy yëpp dafa nek ay facteur yam dafa jara bayyi dafa jara lu jara bayyi xel la donc comme étant donné que régime hygiène diététique lañuy wax donc da fay am régime alimentaire d'abord ak hygiène bo xamanteni da fay nek ci nit ki par exemple bu fekké da nga nek sédentaire dang koy bayyi ngay pratiquer activité sportive de façon régulière et soutenue en même temps oui. donc da fay nek lo xamné dang koy def au moins 30 minutes par oui. jour oui. et au moins pendant 4 fois au moins 4 fois par 4 semaine, fois par semaine oui. donc lolu aussi nit ñi di ci baye xel mën na nek activité bi nga xamné yow c'est à ton goût oui. par exemple yow nga nek bu fekké da nga bëgg vélo ngay jël vélo diko pédaler naka nonu donc ya xam li nga xamné mo la gëna convenir oui. donc nga ci def lolu comme ça passion bim lay bi nga ci am dina tax nga mën ko saxal oui. té lolu aussi def ci am solo absolument donc en dehors d'activité physique bobu su fekké aussi da ngay tox donc dang ko wara baye parce que cigarette mom ku ne xam na ni da fay gëna accentuer les pathologies cardiovasculaires donc lolu mom c'est connu en dehors même du diabète oui. donc bu ko ci fekke daf ci gën daf koy gëna yok éventuellement absolument donc sous cigarette bi aussi wesso tension bi également ñu mën ko xol jëm ko équilibrer su fekke da nga nek sous traitement traitement bi nga respecté ko régime sans sel bi nga respecté ko bayyi xorom ngon yu démé nonu donc sous lolu aussi wesso bu fekke da nga am yaram éventuellement da nga wara jeex parce que ku ne xam na yaram mom oui. andut ak wér gi yaram absolument. Comme on dit, l'obésité est une maladie en quelque sorte. Donc, yoy dal lañu di ci baye xel bu baakha baakha. Dafa yoy mo nek point yi nga xamne mo gëna am. Mais point essentiel sur les complications cardiaques. Donc complications yi ñu wax complications cardiaques yi nga xamne day laal xol bi. Vraiment yoy nga laal c'est yi nga wax nonu moy exactement ce dont il faudrait faire attention. J'insisterai essentiellement sur ben aspect moy que mënu ñu traiter nit té aussi bëggul traitement bi mom tamit mu ngi légui moi j'ai tendance à dire à ñen personne yi nga xamné dañ am diabète di ñëw consultation que yeen war ngeen gëna xam sax docteur bi ce febar diabétique bi mo wara gëna xam febaram que même son médecin parce que mom dina xam nan lay ban naka lay feño ci mom parce que bu touré ndox bi commencé di bari dina xam ni limu lekkone wala régime bi mu defone wala yoy c'est pas adapté wala amna lo xamné def nako normalu parce que boko den beu docteur aussi ala du def lulul gañ la yow mais en réalité donc il faut que yow nga meuna accepter d'abord que diabète c'est quelque chose qu'on peut avec quoi on peut vivre ensemble tout à fait ah ouais, tout à fait il y a pas de problème ñu ci bari dañuy ragal nan parce que comme na amna diabète psychose bi amaigrissement bi la non mais meun nga dem ba équilibré wu bon on ne souhaite pas que nit ñi am yaram mais au moins nga am ben poids bo xamné dina adapté wu ak sa taille ak sa activité physique et li nga wax aussi c'est important l'activité physique c'est extrêmement important parce que luñ ci remarquer moy que
les personnes âgées, les jeunes, quelle que puisse être l'activité que vous avez fait, si c'est le cœur ou le cœur. Donc il faudrait s'efforcer à ce que vous avez fait une activité physique, au moins quotidiennement, et 3 fois ou 4 fois dans la semaine, vous avez fait pratiquer 30 minutes. Je pense que 30 minutes, vous avez fait. Même l'activité physique, vous avez fait une activité physique, ou si bien une religion est aussi mon écodef, même vous êtes dans un mac, ben jamais nous nous bougez ou d'être comme ça, n'est-ce pas? Donc c'est extrêmement important qu'on revienne également sur symptomatologie, il y a jamais moins alerté et qui occasionne en fait complications au niveau du cœur. Et deuxièmement, que moi mon propos c'est surtout ni mon vraiment qu'on ramène dans un diabète, nous ramène tu es guetté par une complication cœur, il faudrait que vraiment que prévenir. Oui. Parce que c'est simplement déséquilibre glycémique. Tout à fait. Bon, ici, ce sucre est normal. Deuxièmement, l'activité vraiment aggravé le diabète, l'hypertension, la sédentarité, le ce n'est pas normal, surtout le lait de la graisse, il y a terre, souvent, la sucrerie, il y a graisse en plus. Si vous avez une hypertension artérielle, cela en même temps a fait aggraver vraiment la pathologie coronarienne, comme on dit, et puis vous occasionnez également complications du cœur. Bon, complications cœuriennes, vraiment, c'est alarmant. Il faudrait que le diabétique sache que c'est alarmant et qu'au moins une fois tous les 3 mois ou tous les 6 mois, qu'il aille voir son cardiologue. Nous consulter au moins un électrocardiogramme pour prévenir en fait ces risques-là qui peuvent survenir à tout moment, n'est-ce pas? Donc on va passer en revue peut-être une prochaine fois ces complications avec d'autres médecins peut-être qui seront là, mais aujourd'hui l'idée c'est juste de camper le débat sur complications. En dehors de complications cardiaques, en fait il y a les vaisseaux également, les autres vaisseaux qui sont touchés. Hein. Tout à fait, hein, il y a les autres vaisseaux qui sont touchés, oui. Éventuellement. Comme nous avons dit, nous avons dit que les vaisseaux sont les plus grands dans les vaisseaux. Par exemple, il y a des fèvres qui sont au niveau des yeux, éventuellement, nous avons dit rétinopathie. Donc, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit éventuellement nous avons des consultations ophtalmologiques de façon périodique. Si les diabétiques sont diagnostiqués et sous traitement. Donc, rétinopathie, nous avons manifesté le plus souvent, nous avons dit que nous avons dit que nous couleur. Voilà, éventuellement c'est petit aussi du flou. Donc si nous avons des beaucoup de diabétiques biser l'eau qui m'ont donc voir le monde ramener li éventuellement si nous commencer petit nous commencer des nakhadi. Absolument. Donc l'on a fait voir qu'on va repousser à ce que nous demandons consultation demandons quoi les ophtalmo. Exactement. Comme ça nous faut au moins un fond d'œil ligne au fond d'œil pour voir le fond là faire voir le taux de tiarambi pour faire que nous n'ayons dire en charge le plus souvent nous n'ayons dire en charge. Donc avec les mesures préventives traitement associé par exemple ophtalmo soit un traitement au laser ou le humain non. Donc en dehors de ces rétinopathies aussi nous avons aussi des cataractes. Aussi beaucoup de clients de diabète de quoi def parce que pratiquement fièvre du diabète beaucoup de au moins 10% ou rétinopathie pratiquement diabète moko engendré. Donc nek na fièvre bi nga xamné mo gëna fréquent di ci li joxé fièvre beut donc muy diabète bobu ñu wax légui. Absolument, mais bon, il faudrait qu'on rassure les gens aussi parce que généralement rétinopathie bobu mëna nek signe de diagnostic. Par exemple, on peut diagnostiquer le diabète, le rétinopathie diabétique, parce que à tout hasard, commencer à avoir un flou visuel, ou on peut si c'est ophtalmo, mais tu as des signes en faveur de l'affaire diabète. Donc, c'est un des signes qui peuvent amener à poser le diagnostic également. Donc, il faut trouver. Et en ce moment, on peut tourner aussi. Buboba, day indi, ay complications, mom lañu wax aussi néphropathie diabétique aussi. On l'appelle aussi néphropathie diabétique, donc atteinte rénale, donc aussi. Lolu vraiment dafa nek lo xamné c'est extrêmement difficile et compliqué, donc pour lequel vraiment c'est vraiment désolant. Donc je te laisse la parole pour on peut évoquer cette question là. Bon, comme li nga wax légui rek, rien ay tammi lañ soit mu bënn wala mu fat. Donc, on peut éventuellement. Si on fait aussi, il faudrait que nous le prenions en charge. Donc, la néphropathie, comme il y a une complication, donc le déséquilibre glycémique est une complication. Parce que si vous faites des complications, c'est la sédition.
moy mom lañuy wax les microangiopathies éventuellement donc moy waral néphropathie yoy ngay wax légui donc lolu nak li ci gëna am liñ koy diagnostiquer le plus souvent mëna baña am ben symptôme bu malade bi jek ci mom mais liñ koy di tax ñu xam ko moy fa am ben ki buñu wax microalbuminurie donc lolu médecin bi dina ko doser ba xamni éventuellement bu amna taux muy yegg donc dina xamni malade bi kat rein yi commencé ñom atteinte donc lolu aussi dañ koy jël en charge avec une consultation néphro wala avec un bon suivi avec un bon équilibre éventuellement glycémique bi xowaté jëm waté taux sucre ba mu stable avec liñu wax hémoglobine glycée ñu stabiliser ko ba mu inférieur à 7% donc lolu aussi dina mëna permettre nga jël en charge pathologie bi nga xamné moy néphropathie diabétique bobu non oui exactement donc néphropathie diabétique bi vraiment man pour me résumer là-dessus également c'est très précieux parce que simplement en dehors du cœur bi nga xamné mën indi ay complications donc infarctus du myocarde le rein également man la hantise chez les diabétiques pour man c'est également le rein parce que pourquoi c'est le rein parce que après c'est des dialyses tay ji ñepp xam nañu problème mu dialyse il est vrai qu'il y a un programme donc qui est mis en place pour assurer la gratuité de ces dialyses là mais il reste évident que ñepp mënuñu accéder à cette dialyse là parce que simplement mieux vaut ne pas aller vers une dialyse que d'aller vers une dialyse donc d'où nécessité ou vraiment une mesure de prévention également comment prévenir en fait pour nga baña am néphropathie diabétique bi c'est exactement la même chose que pour affaire ou xol bi éviter le plus souvent d'être déséquilibré sur le plan glycémique donc déséquilibre bi nga amé ni moy sucre bi di yegg ak wacc wala di yegg ak wacc wala tay ji nga lek régime bu normal suba do lek régime suba nga jël sa traitement gëna suba do jëlat sa traitement lolu moy déséquilibré plus maintenant les autres facteurs comme niñu wax sédentarité bi etc donc ak lek bo xamé ni da fay bari graisse bi nga xamé ni aussi day affecter lolu donc ak également les infections même les infections yo xamé ni maltraitées mal suivies également mën na dem ba affecter au niveau du rein et également occasionner yenn complications yi à l'envers une néphropathie diabétique surtout sur un terrain de diabète donc il faudrait qu'on fasse très attention sur ça parce que man antise ou diabétique bo am atteinte rénale vraiment c'est son évolution vers ay dialyse vraiment moy insuffisance rénale chronique ou le continuer de le défal ay dialyse vraiment c'est désolant mais quand on arrive à ce stade là nous en tant que médecin ça vraiment on regrette pas on regrette mais on le souhaite pas on le souhaite pas on fait tout pour que malade bi ñu koy suivre de façon régulière comme tu l'as dit en dosant yenn ki rek nga xamné chaque fois bo ñëwé consultation dinañ le doser ce albumine wala ñu doser le créatine bi wala ñu doser yi nga xamné en tout cas facteur yi nga xamné mom lañu xam ni moy affecter rein bi ndegam yegg na wala fan la toll et chaque fois que bu yégué wala dara ñu wax la attention li ngay def ni c'est pas normal wala changer ce comportement pour que nga mëna egg si atteinte normal si ce si yenn ki signe biologique quoi comme on dit n'est-ce pas Diallo voilà donc li nga wax rek le docteur donc lool aussi lu jara baye xel parce que du nek lo xamné c'est pas une fatalité parce que c'est quelque chose bo xamné c'est évitable tout à fait parce que diabète ci loxo malade bi la nek fièvre bo xamné sa loxo la nek man je pense que prise en charge bo romu na jafé Oui. Donc c'est une maladie chronique, c'est vrai, mais elle est prise en charge de façon correcte. Oui. Donc tu peux avoir une vie assez paisible et saine également. Donc madame may wax sax ni diabète bu la déré sax da fay permettre nga gëna am hygiène de vie. Oui. Parce que fièvre bo xamné da fay tayen excès. Oui. Comme niñ ko xamé légui ñun on mange mal donc dañuy sédentaire lu ci bëri. Donc bo diabété lool dang koy gën ci lo bobu. Donc ça veut dire que normalement sax ki diabète war na mëna am une vie assez bu gën sax ki nga xamné diabétul. Oui. Étant donné ak prise en charge bi nga xamné mom la andal yépp donc lolu daf ko wara pousser à ce que du yegg ci complication yoyu bu jëlé prise en charge bu ko traiter normalement donc lolu warul am problème tout à fait non mais c'est exactement vrai dans la mesure où diabète en tout cas il faudrait qu'il comprenne d'abord que son diabète fièvre bo xamné le mom mën nako jël en charge c'est bopam
Parce que même si vous avez une consultation, vous êtes également intégré au LOLU, ça ne t'avance à rien. Parce que un, tu seras stressé, souvent c'est ce qu'on se rend compte, que le malade est stressé parce que la famille diabète. Parce que souvent vous avez une consultation chez son médecin, il faut faire tout pour que le taux de sucre soit stable. Pour que, oui, vous avez si le médecin dit que c'est très bien, tu as fait, tu as fait. Mais alors, le médecin peut être content parce que tu as fait un bon régime, mais tu as fait un régime pour ton médecin, mais tu n'as pas fait un régime pour toi-même. Alors, l'important, c'est de faire un régime pour soi-même. Hein? Éviter y a une complication pour yo sabop et non pas pour vraiment ce médecin. Parce que nous aussi, heureusement que maintenant, avec dosage, il y a un facteur biologique, on arrive à comprendre les maladies équilibrées ou équilibrées. Notamment, il y a une hémoglobine glycée qui permet vraiment de voir si ce taux de sucre s'est équilibré dans les 2 à 3 mois ou non. Donc, souvent, toutefois, les diabétiques sont dans halatni. C'est un taux la veille, si on a une consultation, on peut équilibrer pour que le médecin vienne, c'est normal. Mais si on a une complication rénale aussi, je l'antise toujours, comme je le dis, si diabétique bi, ou bien chez le médecin aussi, c'est que ça me malade warul am atteinte rénale. Et pour cela, je dois tout faire pour que dans ce contrôle, je puisse faire le contrôle rénal. Et pour cela également, il faut que moi accentuer aussi mon accès à Watan, Siwalu, prévention. Prévention, c'est quoi? C'est éviter de telle sorte que mon bandit a un facteur qui une complication rénale. N'est-ce pas? Je pense que c'est extrêmement important que mal diabétique, bi hamni, khol bi mon nako affecté, que body mon nako affecté, que aussi rein mon affecté à cause de son diabète. Hein? Et souvent aussi, l'initiative, moi, que c'est vraiment un diagnostic tardif. C'est-à-dire que dans les talks, l'affaire est compliquée. Si on a excessé ou l'attente rénale, on doit faire une consultation. Et souvent, là aussi, tu es désarmé. Le médecin est désarmé. Et ce qu'on peut faire, c'est te référer chez un spécialiste qui va s'occuper de ça, avec tous les coûts que ça comporte. Donc vraiment, on ne souhaite pas que les gens arrivent à ce stade-là, mais au moins que nous savons, si on le fait de façon routinière. Donc, chaque fois que de besoin, donc, nous avons des consultations, nous avons aussi des consultations spécialisées, donc, qui nous permettent aussi de prévenir les complications. Mais en prenant soin d'avoir un équilibre glycémique normal. C'est-à-dire que chaque fois, nous devons de telle sorte que ce sucre bagnon y est, ou le diwati trop. Voilà. Je pense que sur ces 3 complications-là, je pense qu'on a fait un peu l'économie de ça. On va essayer de voir peut-être sur les complications neurologiques en lien avec le système nerveux, oui, n'est-ce pas? Hein? Diallo, tu peux les évoquer en attendant sur ça. Bon, comme nous l'avons dit, le diabète aussi, les nerfs. Donc, à savoir les neuropathies périphériques comme centrales. Hein? Donc, périphérique, c'est fait une tanki. Par exemple, il y a des gens qui ont des gants qui ont des métites. Donc, les femmes ont des troubles sensitifs. Par exemple, les gens qui ont des métites. Donc, les pieds diabétiques, comme les gens qui ont des métites, ils ont des parce que les malades ont des métites, ils ont des métites qui ont des métites. Ou ils ont des métites qui ont des métites. Donc, c'est aussi ce qui fait que les complications peuvent évoluer de façon bonne. Donc, day dem ba da fay djegi dayo donc lolu aussi maladie ci baye xel motax da fay laaj ben hygiène bo xamné malade da ko wara am surtout le diabétique donc ci tankam yi éventuellement au niveau de ses pieds da fa wara am hygiène bo xamné da fay permettre mi xol tankam bi de façon régulière par exemple ay pieds d'athlète ak demé non ñu ko wax ko mëna éviter parce que da fa nek lan da fay gëna accentuer complications parce que bu ak neuropathie bi nga xamné mom mo présenté wu déjà ci mom parce que sensibilité da fay wañé ko donc ko sensibilité am wañé ko bu amé lu koy metti du ko yek. Donc, voilà, mais éventuellement, on ne sait pas. Donc, le monde a mis un accès à la communication. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, éventuellement, je suis là, 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 éventuellement suis là, je suis là, je suis là, accentuer la circulation du sang au niveau périphérique. Par exemple, à savoir, je suis là, je suis là, je suis là, diabétique parce que dafay entraîner ay complications yo xamné dafa xawa désastreuse donc surtout ni nga xamné malade aussi mën nako éviter donc nim ko éviter mom lool la mesure hygiène nutritive nga xamné mom lañuy wax légui donc di baye xel ci tank yi di hydrater également yaram bi
parce que nan aussi dafa am solo parce que comme dread dit pour me circuler bay si vous nous il faut que m'am une bonne hydratation au niveau des membres inférieurs pour baña accentuer néphropathie neuropathie. Bon, moi je reviendrai juste sur comme mécanisme bi quoi mécanisme bi nga xamné moy tax mu am atteinte nerveuse bien souvent système nerveux comme niñu wax nerf le nerf bi moy transmettre un peu les informations. Si vous les nerfs amatul nous muy transmettre information bi va ça pose des soucis. Ça veut dire que moi li nga évoqué tout à l'heure moy walu sensibilité bi nerf bi d'autre mon transmettre système nerveux central bi oui que l'information que ni yangi yangi deug fenn fo xamé ni tang na souvent dañ koy sétlo ci diabétique donc perte de la sensibilité bo deugé fo xamé ni taxal la te yego sax ni xal la donc ça c'est extrêmement grave donc moy indi après ay plaies wala nga gañu mais yego ni sax da nga gañu ba gombi di yok mais lolu lu koy indi moy que sucre bu taxi sidit donc sidit bi c'est sucre bi bu de dafa déséquilibré donc sucre bi augmenté aussi si sa yaram bu yagge da fay jappalé sidit donc lolu lay indi comme conséquence bi en plus moy que di nga am perte de la sensibilité di nga di gañu do ko yeg parfois même di nga sa dal simiko doko xam donc souvent lolu moy indi ki mais bien avant ça aussi di nga mëna am yenn di nga sentir ay fourmillements ci wala ay tangay ci sa tank ak wala yoy mais di nga ko mëna sentir même ci sa loxo et cetera donc yoy aussi di nga dem dina dem ba aussi di atteindre yenn ñu wax système nerveux autonome bi moy parfois yi nga xamé ni day jappalé estomac bi wala muy jappalé yenn ki même cérébral bi wala si xol bi ak yoy au niveau du cœur même au niveau du cœur donc système nerveux autonome bobu nga xamé ni moy permettre d'avoir information au niveau du cœur ou bien au niveau des organes quoi de façon générale donc en réalité conséquence ou déséquilibre glycémique bi sur les nerfs lolou lay indi donc perte de l'information bi nga xamni nerf bi moko wara yobbu ci bop bi donc motax nit ñi war nañu def tout pour que également ku amé diabétique muy de temps en temps muy tester bopam muy set bopam ndega mu ngi yek ci tank bi amna bu ko bëssé nga mu ngi yëk méthode bi wala bu né mu ngi nettoyer muy nettoyer tankam bu baax wala bu sango ba paré mu sét bu solé dal ndegam bu ci doxé du sentir que ni dal bi yëguko wala dal bi dañul té yëguko voilà un peu des choses comme ça très simple mais yo xamé ni mën nga ko def à partir de chez toi avant que ngay dem ci fenn fo xamé ni da nga fay faté sa dal parce que on se rend compte très souvent que même maladie dañuy ñëw consultation mais buñ dañi bi si ce bir cabinet lañu wacc ce bir bureau lañu bayyi dal bi wala yoy donc il faut que nga woowat len pour ñëw len sa dal fatiko donc koku dafa fekk en réalité mu am perte de la sensibilité mu commencer am complication liñu wax neuropathie diabétique aussi d'autre part qu'est-ce qu'il faut faire pour que malade bi bañe exi si complications neuropathiques. Bon, ce qu'il faut faire, on ne cessera jamais de le dire. Répéter, voilà. Oui, donc, moi, la prévention. Oui. Prévention, à savoir équilibre glycémique. Oui. Parce que complication, ça veut dire que quelque part, on a failli à la mission. Oui. À savoir le malade, éventuellement. Mm-hmm. Le plus souvent, ça, on les donne le plus souvent. Parce que le youtubeur, le régime, il doit respecter. Voilà, il mm-hmm. Donc, des complications aussi, on peut souraler. Si on a un signe, on peut commencer à guérir ses CRM. Oui. Notamment, comme l'on a dit, parce que la neuropathie, il faut aller dans le corps. Par exemple, il faut que le corps soit senti, il y a un tachycardie. Par exemple, le corps, il faut battre, il faut gaffe. Oui. Donc, il y a des symptômes, même au niveau même de l'estomac. Mm-hmm. Par exemple, bir bi aussi dina manifester wu fofu éventuellement da fay entraîner ay troubles digestifs à savoir sa xel di téy wala ngay am ay diarrhée ak yu demé non donc ak gastroparesthésie mon la doon wañu wax donc à savoir constipation bi ngay wax ni exactement donc yo aussi c'est des signes avant-coureurs yo xamné dina mëna permettre nga xamné man mi kat sama nerf yi fi mu nek ni commencé ñu am atteinte par rapport ak le diabète donc mu permettre la nga mëna daw dem defi consultation mais avant par ailleurs nak avant lolu di am donc likoy gëna mëna fexé ba du lolu du ñëw mais la prévention. Ouais. Donc la prévention elle est très très importante pour Absolument. Le diabète. Faire voir la prise en charge dépend du malade. Mm-hmm. Donc da ngay équilibrer ce sucre, dès ce traitement ni mu waré, def ce régime hygiéno-diététique ni ñu ko expliquer. Ouais. Donc lolu mom bu ko malade bi sax def na du sax soxla
y a une complication, une question, parce que tout va y aller, son erreur. Exactement. Donc, on va reparler de toutes ces questions-là juste après une pause de 2 minutes. Voilà, nous, dans le soir, si affaire ou complication, il a fait atteindre le diabète aigu. Merci. À tout à l'heure.